déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! C'est bon, j'ai trouvé. Ah, il est là, ton téléphone en plus. Tu peux faire le bon en plus. Vas-y, casse-toi. Salut Internet, c'est Kamof. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de plusieurs personnes. Il y a un jeune homme de 13 ans qui s'appelle Lucas et qui a fait appel à nous parce que vous allez comprendre son histoire et on va un peu vous l'expliquer. On est en compagnie de Lucas, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi le frérot là, son snap, il s'affiche juste en bas. Bambino, il est ici aujourd'hui pour nous aider. Notre frérot aussi, son Insta s'affiche juste en bas. Et nous sommes avec Maxou, vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Son Insta s'affiche en dessous également, vous pouvez le rajouter si vous en avez envie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a le petit Lucas qui nous a appelé. Et il est dans une merde pas possible parce qu'en fait, il s'est embrouillé. En fait, c'est quoi l'histoire en vérité? En fait, j'ai parlé avec une fille sur Instagram et on lui a enseigné de mal. Et maintenant, elle veut me ramener ses frères de 18 ans. Ils ont dit si j'ouvrais pas la porte, ils allaient sonner, frapper ma mère. Et voilà. Donc en fait, si je comprends bien, tu parlais avec une petite de ton âge. Hein, et je sais pas ce qui s'est passé, genre elle a dit à ses frères qu'elle parlait avec toi. Et ses frères, ils veulent pas que tu parles avec elle. Voilà. Et en gros, ils veulent venir te frapper. Ouais. Et comment ils savent où tu habites? Ben en fait, la fille, elle savait où j'habite. Et elle a d'accord, donc tu la connais personnellement, cette petite? Oui. Tu la connais quoi, dans ton collège, c'est quoi? Dans mon collège. Et dans ton collège. Et donc du coup, elle veut te ramener ses frères pour te frapper. Ouais. Parce que tu parles avec elle, c'est tout. Ouais. Y a rien eu de mal. Non. Juste pour ça. Ouais. Ok. Lucas, tu vas leur envoyer un message. Mmh. Tu vas leur dire ouais, moi je vous attends, je suis chez moi et tout, venez, tout ça. Mmh. Comme ça, quand ils arrivent, on va les laisser venir. Et une fois qu'ils seront arrivés, nous, on va venir avec les frérots que tu as vu là, avec qui tu as fait connaissance, et on va leur donner une bonne leçon pour leur montrer qu'on peut s'en prendre à. On s'en prend pas au plus faible. Surtout que tu as 13 ans, ils en ont 18, c'est ça? Voilà, en plus, déjà, alors il a 13 ans, et en plus, il fait moins que son âge. Donc, c'est pas normal de faire ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre chez Lucas, on va se mettre en planque chez lui. Et quand ils arrivent, toi tu vas leur envoyer un message, et quand ils arrivent, nous on va arriver à plusieurs et on va leur donner une bonne leçon. Voilà, allez c'est parti. Ok les amis, donc là je suis avec Lucas, les frérots sont derrière la caméra, on est devant chez toi, donc ici c'est ton portail. Oui. Ce qu'on va faire c'est que tu vas rester là, d'accord? Dans combien de temps à peu près ils sont là? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ouais. Ok, donc là on va vite nous, on va aller se cacher. Toi tu restes ici, ouais. On t'a mis le petit micro là, ouais. D'accord? Donc tu touches à rien, tu restes comme ça. Et quand ça dérape trop, si on voit que ça dérape, t'inquiète pas, on est juste à côté. Et on viendra, d'accord? Ouais. Sûr? Sûr. Allez, à toutes. Là, on attend et ils devraient pas tarder à arriver s'ils viennent. Voilà. On sait pas comment ils vont être, t'as ils viennent seuls, t'as ils viennent à deux, t'as ils viennent à trois. On attend. Ouais. Et hey, charmante. Hey, charmante. Hey, charmante. Mais tu veux que je t'arrête les deux yeux ou quoi? Comment ça, tu dis ma sœur est charmante? On t'a dit d'arrêter de parler avec elle, tu continues. En plus de ça, tu veux faire le mec? C'est elle, elle continue. C'est elle, non, continue. Elle continue. Comment ça, c'est elle continue? J'ai vu les messages, J'ai vu les messages, c'est toi. C'est toi, t'es là, tu veux faire le mec. Pourquoi? Je sais pas, elle veut ça, tu l'insultes en plus? Eh, tu veux que je t'arrache tes deux yeux ou quoi? Ah, mon casquette. Eh, mon casquette. Tu veux t'arracher tes deux yeux ou quoi? Hein? Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Non, j'ai pas. Donne-moi ton téléphone, on le sait que non, j'ai pas. Oh, tu vas me donner. Donne-moi ton téléphone maintenant. Prends-le dans les poches. Je l'ai pas. T'es fou. Il est où? Je l'ai pas. Il est où ton téléphone? Je l'ai pas. Il est où ton téléphone? Je l'ai pas. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, il est là ton téléphone en plus. Tu peux faire le bon en plus? Ouais. Vas-y, casse-toi. Ok, prends-le. Oh, lâche-le. T'as dit quoi? Maintenant tu veux faire le mec maintenant? C'est quoi le code? Je te donne pas. Dis-lui le code. Je te donne pas. Dis-lui le code, c'est quoi le code? Dis-lui le code. Dis-lui le code. Dis-lui le code. C'est quoi le code? Dis-lui le code. Oh, dis-lui. Je te donne pas. Dis-lui le code. C'est quoi le code? Je te donne pas. C'est quoi le code? Où tu vas?
Faut que tu vas. Ah, bouge pas, reste avec lui. Mémé, garde-le, vas-y, on va voir les autres. Lucas, reste avec lui, reste avec lui. Non. Bravo. Tu dégaines, t'as vas-y. On va te faire le max parce qu'on va te déchirer sinon. Donne le téléphone, donne le téléphone, donne le téléphone, donne le téléphone. Donne le téléphone. Les gars. Bloque ta caméra. Mais arrête, ta caméra, arrête. Ta caméra, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Arrêtez, arrêtez de casser les couilles. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Parce que le téléphone. Je t'éclate par terre. Je t'éclate le téléphone par terre. Je t'éclate le téléphone par terre. Ton téléphone de merde là. Je te le prends, je te l'éclate par terre si tu veux. Alors reste là avec ton collègue, bougez pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on appelle les flics? On fait quoi? On appelle la police maintenant? De quoi? Et alors? Et alors? Quel âge elle a ta soeur? 13 ans. 13 ans? Et alors? Elle pourra te parler avec le petit? Mais non. Et pourquoi? C'est ma petite soeur, je la protège. Ah, tu la protèges? Pourquoi? Il fait quelque chose de mal, il parle avec elle et alors? Ouais. Tu parlais pas avec des gonzesses quand tu avais 13 ans toi? Ouais. Et alors? Et en plus, vous venez à deux, tu avais combiné? Viens. Tu as quel âge toi? 18. Toi, tu as quel âge? Wesh. Je réponds pas. Tu réponds pas? Dans ton téléphone, regarde ce que je viens de faire. Hein. Tu veux pas répondre? Ah, moi je vous explique, les gars, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Arrête de filmer. Non, non, mais je te dis, je filme si j'ai envie déjà. Et de deux, j'ai pas de temps à perdre, ça veut dire j'appelle les flics moi. Voilà, parce que là, on a tout filmé. Ce que vous avez fait au petit. On va te retrouver. Mais tu vas retrouver quoi? Qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver quoi? Tu sais quoi? J'ai pas ton âge moi. Tu crois que j'ai quoi? Tu crois que j'ai 15 ans frère? Tu crois que j'ai 18 ans? J'ai 30 ans, tu es là, tu me fais le voyou avec moi? Non. Ne fais pas le voyou. Ramène-moi un mec de ton âge à la limite, ne fais pas le voyou avec moi. Ne fais pas le voyou avec moi. J'ai pas ton âge. Toi, tu t'en prends au petit. Là, d'un coup, quand il y a du monde, vous chiez dessus. Eh ouais. Maintenant, on fait quoi? On fait comment? On va voir les flics, je t'explose le téléphone, je t'explose la figure, on fait quoi? Parce que lui, c'est mon petit cousin. On fait comment? Vous êtes là, vous le balayez, vous venez chez lui, vous croyez pour qui? Oh, son daron, c'est pas un rigolo. Son daron, il le sait l'histoire, il vous arrache la tête. Alors, tu le connais, mon daron, toi? Mais je m'en bats les couilles, ton daron. Voilà. Je m'en bats les couilles de toi et de ton daron. C'est bon? Ramène-le, ton daron. Donne-moi ta sacoche, toi. Non. Donne ta sacoche. Voilà, donne la sacoche. Allez, hop. Tu as voulu prendre la sacoche au petit, alors, tiens. Donne-moi ta sacoche. Allez, ça va aller très vite. Voilà, tiens. Casquette, donne casquette. Voilà, tiens, prends la casquette aussi. Toi, ton téléphone. Tiens, prends son téléphone aussi. C'est le tien maintenant. Tu veux quoi d'autre? Tu veux les chaussures? Tu veux quoi? Le tiens, tiens, donne tout à Ben, donne tout, t'inquiète. Tu veux quoi? C'est TN? À qui? À lui? Oui. Mais c'est un VTN de merde qu'il a. Tu vois pas, V? C'est un éclaté, c'est TN. Tu prends des chaussures? Ouais. Tu prends des chaussures? Mets tes chaussures. Vas-y, donne-lui tes chaussures. Allez, donne mes chaussures. Voilà, prends les chaussures. On prend quoi? La. Donne, ça là. Toi, c'est de l'argent, ça me bat les couilles. Donne. Donne. Tiens, allez, donne. J'ai vraiment un gland. Voilà, allez, hop. Tiens, un peu d'or là aussi. Oh, oui. Tiens. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Lui, il est torse nu, il n'a même pas de t-shirt pour s'habiller. Tu veux quoi? C'est bon. Continue. Il faisait le mariole avec toi tout à l'heure. Ouais. Ouais, tout à l'heure, il faisait les macs avec toi. Ouais. Vas-y, fais le mac maintenant. Vas-y, fais le mac. Vas-y, dis-lui ce que tu as à lui dire. Vas-y. Maman, je t'en mets une, pas deux. Bien. Donc, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Moi, je ferme pas ma gueule. Tu fermes ta gueule, chez Jim. Moi, je dis, tu fermes ta gueule. Tu veux faire quoi? Tu lui mettre une baffe? Ouais. Il mérite, t'as des baffes. Ouais. On va pas les mettre, on est sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait quoi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est vraiment ma casquette. Non. Crève. Allez, rends-leur leurs affaires. Rends-leur leurs affaires de merde là. Rends-leur leurs affaires. Rends le téléphone aussi. Rends-lui le téléphone. D'où tu jettes? D'où tu jettes? Tiens, pas bien. Bon, écoutez les gars, c'est simple. Ça là, ce qui vient de se passer. Ta soeur, si elle a envie de parler et un minot de 13 ans, c'est son problème. D'accord, ils ont le même âge. Toi, à 13 ans, tu parles à des filles. Moi, je parle à des filles. Toi, oh, pourquoi tu viens avec lui? Il a 13 ans, le minot, tu viens avec lui. Tu as 18 ans, tu as pas honte? Il m'a pas dit. Il t'a pas dit? Mais tu l'as vu l'entrage. Oh, regarde-moi, tu arrêtes de me prendre pour une con. Tu le vois, lui, il a quel âge, lui? Il a 18 ans, lui? Il fait même pas 13 ans. Ne me dis pas, il a 18 ans, tu me prends pour une con? Il a pas l'air de faire 18 ans, quand même. Donc, tu l'as vu qu'il avait 13 ans? Je sais pas, il a un masque. Je vois pas. Ah, d'accord, donc tu vois pas qu'il a pas 18 ans, tu me prends pour une con. Hein, tu veux qu'on te soulève comme tu l'as soulevé à lui? Non. Tu veux qu'on te soulève, non? Non. Tu veux que je te montre qu'on peut te soulever? Non. Non? Non. On va soulever, je te le dis. Venez, les gars. Venez, on le soulève. Allez, viens. Mais toi, lève-toi, attention, je rigole pas avec toi, attention. Allez, venons le soulève, allez. Non, ah, écoute-moi, maintenant on va arrêter de rigoler, que je vous reprenne pas à toucher mon petit cousin, parce que je vous arrache la tête à tous les deux. Tu as compris? Vous avez compris? Moi, je suis pas votre âge. Hein. Voilà, je vous le dis d'entrée. C'est bon? Rends-lui sa sacoche de merde à lui. Elle où sa sacoche? Rends-lui.
Excuse-toi, toi. Pardon. Excuse-toi. Pardon. Pardon quoi? Pardon qui? Il y a un prénom. Un chien, excuse-toi. Désolé. Lucas, il s'appelle. Désolé, Lucas. Désolé, Lucas. Eh ouais. Tu acceptes tes excuses? Oui. Ah, s'il y a un message, écoute-moi bien, il t'envoie encore un message. Machin, je sais pas quoi, il te menace, tu me le dis. Parce que vous, vous avez son adresse, mais n'oubliez pas que nous, on a la vôtre aussi. Donc ne faites pas les manettes. Remonte mon téléphone. Pas les mal. Tiens, c'est toi qui as son téléphone? Rends-lui son téléphone de merde, son iPhone 5 ou je sais pas quoi. Là, tiens. Rends-lui sa merde. Maintenant, les gars, je vous revois ici. Je te parle. Je vous revois ici, je vous déchire. Quoi, c'est des menaces? Ouais, c'est des menaces. C'est même pas des menaces, c'est des promesses. Je te le dis. Je vous revois ici, je vous déchire. Tout seul. Moi, je vous prends un pari, je vous éclate. C'est bon, vous touchez un petit trésor, vous avez pas honte? Allez, cassez-vous. Ah, cassez-vous plus vite, je vais vous faire courir sinon. Ah, cassez-vous. Allez, dégagez. Et comme ils sont cons, il y en a un part à gauche, l'autre part à droite. Regarde ça. Ah, fais pas semblant, allez, pars avec ton collègue. Oh, oh, pars avec ton collègue, fais pas semblant. Allez, cassez-vous. Ça me déconne. Tu vas me faire croire que tu vas partir à droite, lui à gauche. Bande de trimard. Ça va, Lucas? Ouais, mais quand tu es loin, tu insultes, hein? Hein? Quand tu es de loin, tu insultes. Tu veux que je te fasse courir, fils de pute? Tu veux que je te fasse courir? Tu continues à parler avec la fille si tu as envie de parler avec la fille, tu continues à parler avec elle. D'accord? Elle a ton âge, tu as le droit de parler avec elle, c'est pas interdit. D'accord? Maintenant, si elle te ramène ses frères comme elle l'a fait, tu parles plus avec. Ouais. Parce que si. En fait. C'est une petite merdeuse, d'accord? Donc moi je te le dis, s'il y a encore un problème comme ça, tu nous appelles. Maintenant, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo avec nous, une autre vidéo, autre que ça, tu demanderas l'autorisation à tes parents, et on fait une vidéo ensemble, tu veux? Allez, ça comme va. Ça au moins les gens, tu as Instagram, tu as quelque chose? Ouais. On mettra ton Instagram, d'accord? D'ailleurs, si vous voulez rajouter le petit Lucas, rajoutez-le, il y a son Instagram ici. Les frérots, merci à eux aussi d'être là. Tout leur Insta et leur Snap, ils s'affichent en bas. Ils viennent, c'est bénévole. Hein. Ils viennent, ils prennent des risques, les mecs. Et voilà, il n'y a rien en échange. Donc, la moindre des choses, ça serait de les rajouter sur Instagram. Rajoutez qui vous voulez. Mais rajoutez-les, ça leur fait plaisir. Et au moins, ça leur donne envie de revenir. Hein. Et la prochaine vidéo, vous verrez. On va le mettre dedans et on va te faire jouer le rôle principal de la vidéo. Tu veux? Ouais. Tu es chaud? Oui. Allez, c'est parti. Ciao les gars, et faites attention au cyberharcèlement. Et si vous voyez quelqu'un, si vous êtes témoin de gens qui harcèlent des enfants ou qui harcèlent des jeunes plus jeunes ou plus vieux, enfin on s'en bat beaucoup, des personnes âgées, n'hésitez pas à appeler la police. N'appelez pas Kamoff parce qu'on ne peut pas aller partout, mais appelez la police et réglez le problème de suite parce que des choses comme ça ne devraient pas se produire et ça se produit beaucoup trop. Voilà. Gros bisous à tous et à mercredi prochain. Ciao.